Bienvenue en ce 16 août 2017. C'est celui-là le paplard que je cherchais hier, que je voulais vous montrer. On ne voit rien. C'est parce que c'est quand Stéphane Hessel, il était mort, c'était un indignez-vous. Alors on peut croire Stéphane Hessel, ne emboîtez le pas, lorsqu'il appelle à une insurrection pacifique. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est les gouvernements, par définition, n'ont pas de conscience. Donc, ils ont encore moins de subconscience. Albert Camus, témoin 5, printemps 54. Mon oncle Bernard est né à l'hiver 54. Moi, j'avais dit, voilà. Bon. À part ça... Super le canard enchaîné aujourd'hui. Ouais, je vous dis bien. Moi j'ai lu 4 pages pour l'instant. Enfin non. 2 pages sur 4. Moi j'étais le connard déchaîné. C'était pas pareil. Bon. Et j'étais tout gentil, j'étais tout bien. Mais j'étais que pas con. Pas que con. En fait, je me suis rendu compte que j'étais un esprit dans un bout de viande et pas un bout de viande sans esprit, tu vois. Et toutes les facultés cognitives qu'on nous apprend pas, et ben je les ai trouvées tout seul. Je suis même faire mon endomorphine tout seul, comme ça. Je peux rentrer plusieurs fois dans le même rêve. Si j'ai envie de pisser, je me recouche, je rentre au même endroit où j'étais. En fait, la vie est une combustion. Comment que je vais vous dire? Pourquoi ça clignote ce truc? C'est bon, ça marche. Tu manges, vas le carbu, tu chiffres vas l'échappement. Mais tout est combustion. Chaque organe de toi est une combustion. Par exemple, les yeux, ben, tu fais du claquage d'œil. Tu vois, les narines, bah tu fais du caca du nez. La gueule, c'est pareil, tu craches. Les oreilles, tu as du cérumen, là, tu sais, tout ça. Les pieds, si tu les laves pas, il sort du fromage. La bite, c'est pareil, le cul, c'est pareil, sous les bras, c'est pareil. En fait, quand t'es pote avec tous tes organes, mais t'es jamais malade. Bon, si tu fumes et que tu bois, surtout, il faut te branler un peu quand même quand t'as pas de bonne femme. Parce que sinon, c'est la prostate. La prostate. Bon, parlons un peu de Gouvernevray maintenant. Jamais ils se balancent tous, là. Putain, on est quand même... Un mois et 16 jours de rédemption, mais ça rédempte pas des masses, hein. Le pandémonium, ça va être dur. Et mettre un coup de pied dans la boîte à Pandore, l'esprit de merde, là, ça n'a pas l'air fastoche. Encore faut-il avoir un esprit. C'est ce qui vous manque, tu vois. Quand j'y ai encore tout à l'heure ce matin au mec, là, il fait... Putain, il était super gentil en plus. Il fait, mais comment tu veux que je leur dise? Ils comprennent rien. Elle me dit, ouais, je sais, c'est pas facile. Et j'y vais. Et après, il a noté sur son calepin et tout. J'ai dit, bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts? Bah, il ne savait pas répondre non plus, mais il a noté. Tu vois? Voilà. Le Macron et le Donald et la Corée. Ah, le canard enchaîné, eh bien, moi j'étais connard déchaîné. Je vais y écrire au mec. Il y a un mec, il y avait un article. Je vais voir si je le trouve quelque part. Ah bon? Comment ça? De quoi ma femme est grosse? De quoi ma femme est enceinte? De quoi ma femme est irradiée?
On n'est pas marre de vendre de la merde, de faire que de la merde sur Terre. Putain, ça devrait être un paradis, tout le monde au service de tout le monde. S'il n'y a pas de riches, il n'y aura pas de pauvres. Si on ne voit pas d'armes, il n'y aura pas de guerre. Pas, vous êtes cons, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Je vous demande. Tu veux rester le cul devant ta télé? Putain, chez moi, il n'y a pas de télé. Merci, Seigneur. Bon, si, la télé, c'est moi. Télé éternelle. C'est ma caméra. La seule télé, c'est moi qui vous parle. Ça, oui. On va dire que ça vient d'un bon esprit. En fait, le cyborg, là, le machin, là, le toi-même, là, le truc. Là. C'est une super machine au départ. C'est ce qu'on peut créer de mieux dans tout l'univers. En mon âme, conscience et subconscience, que je te le dis. C'est pour ça que les francs-maçons de mes couilles, là. Ah ouais? Tu jures de dire la vérité? Dis-la toi en premier, toi, connard. Pas s'énerver là-dessus. Maçonnique, sa mère. Sa mère thune. Sa mère thune, ça dépend. L'eau, c'est la vie. C'est la mer Méditerranée. C'est la patronne. Quand tu pleures sur Marie, en fait, c'est l'assomption de Marie. C'est parce que l'eau, elle remonte par les nuages, puis après, elle redescend, puis un coup, elle est salée, un coup, c'est pas salé. Tu sais, c'est tout un truc. C'est comme. C'est parce que les processus que les protocoles, c'est dégueulasse. C'est pour ça que les procédures. Tu vois, pas compliqué. Mais à part votre télé de merde et votre frigo pourri et votre chiotte, vous comprenez quoi? C'est sûr, l'argent, il faut toujours de l'argent. Bon, mais si tout le monde s'en bat les couilles de l'argent, si tout le monde arrête de payer ses impôts, surtout pour des fils de pute d'État corrompus, la plupart, ils branlent rien, ils ont des boulots, putain, tranquille, 13e mois, 14e mois, 15e mois, 16e mois, 17e mois, il y en a, ils branlent rien. Par contre, ils ont vendu leur âme, c'est ça le problème, tu vois. Comment tu veux que je vous le dise, moi? J'ai fait des TIG pour escroquerie. À mourir de honte. Je vais même travailler dans le garage. À Joffre. Les toutous d'escroquerie. Oh, la belle voiture. Ça, c'est le notaire. Oh, la belle voiture. Ça, c'est l'autre. T'as les mecs de la ville, ils t'amènent. On bouffe au resto, il te mène le camion, il te laisse les clés, il dit ouais, si le chef y vient, tu diras que tu changes une ampoule. Pendant ce temps-là, ils vont bouffer pendant leurs heures de travail, quoi, normal. Comme quand j'ai fait les TIG, le mec il prend sa remorque, il monte directement chez lui. C'est 7 heures, il est fait à l'ordinateur. Mais il était sympa, lui. Il m'a dit écoute, moi, j'étais le tige, ils appellent ça le TIG, c'est le tige. Il me dit, écoute, si le chef, il appelle, je t'appelle, tu dis que tu étais en train de chier et tu as 5 minutes pour venir. Je dis, ok, ça va. C'était mieux de faire les TIG à la maison quand même. Tu vois. Remarque, la JAP m'a dit, oui, elle était bien équipée. Hein. Mais bon, faut pas bloquer là-dessus. Voilà, voilà, voilà. Pour finir. Le petit mot de la fin. Je vais essayer d'envoyer ce truc. Nous étions donc le 16 août. Demain, c'est anniversaire à ma maman. 17 août 42. Le 12, c'est anniversaire à ma Vierge Marie. Bon, le problème, c'est que nous autant mariés que le film. Ben ouais, il y a le film. Sinon ça va. Et tata, demain elle sort de l'hosto. Mais il faudra la grue, enfin la chèvre, enfin non, le lève personne, le lève malade.
La barrière pour le plumard, ils n'avaient même pas commandé. Bon, enfin bref. On va laisser comme ça devrait aller.